Je suis très content de vous avoir écouté parce que j'ai trouvé que vos propos étaient très 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 pertinents et très intéressants. Je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, je pense. Personnellement en tout cas, merci. Alors moi je voulais simplement parler de, parce que vous avez pratiquement tout dit, l'essentiel a été dit, je voulais simplement dire que les rencontres sont faites aussi pour dialoguer et grâce au dialogue, on arrive toujours, à mon avis, même si on n'est pas toujours d'accord, à laisser des empreintes et à recevoir de l'autre ce qu'il a dit et qui nous fait toujours réfléchir. Parce que ce qui manque beaucoup, et nous l'avons tous constaté, c'est que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité de prendre la parole. Beaucoup de valeurs ne sont pas dites parce qu'il y a trop de sélection. Hélas, hélas, tout le monde n'a pas droit à la parole et nous avons discuté de ça. Moi je sais que par exemple beaucoup de musulmans n'ont pas eu droit à la parole, on ne les voyait jamais dans les médias alors qu'ils avaient tellement de choses à dire et ils avaient à exprimer leur foi ou leur conception de leur religion qui n'est pas perçue suffisamment en France et qui ont été un peu, comment dire, occultés. Et c'est de là, à mon avis, que beaucoup de malentendus sont nés. Donc il faut veiller à ce que, vous avez raison de le dire, avoir de courage, non pas d'être agressif et d'être, violent, mais demander la parole et dire et avoir la possibilité de le dire. Et ça, c'est un long combat, et c'est pas impossible, mais il faut avoir le courage de lutter pour ça. Nous, à chaque fois, on entend les terroristes, c'est des musulmans, tout ça, mais faut pas mettre tout le monde dans le même lot. Car ceux qui tuent au nom de Dieu, ils prétendent être musulmans, mais c'est pas ça dans les livres de l'islam, tout ça, comme le Coran, il n'y a pas écrit il faut tuer les gens. Il n'y a pas écrit... La guerre sainte, oui, mais ça c'est pas la guerre sainte, exemple, ce qu'ils ont fait à Charlie Hebdo. Mais Charlie Hebdo, eux, ils abusent. Pour moi, ils ont pas de limite. Ils se moquent de tout et de rien, et ça devrait pas être comme ça. Normalement, on peut rigoler, mais pas de tout. Comme ceux qui se sont fait tuer, certes, ils ont de la famille, tout ça, mais il aurait pu y avoir quelqu'un d'autre qui avait rien à voir et qui se serait fait tirer dessus. Alors c'est vrai, il faut pas utiliser les armes, ça, la parole ça suffit, comme là il y a un débat aujourd'hui et il y a beaucoup de personnes qui s'expriment tout ça et il y a beaucoup de choses à dire et ça suffit. Je viens de Marseille. Bon, moi je vais parler d'un sujet qui m'a percuté au cœur. C'est parce que par rapport à Charlie et à l'expression de parole. Un jour, il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner où je suis. Un jour dans ma classe, un élève ne voulait tout simplement pas faire la minute de silence. À cause de ça, il s'est fait exclure de cours et c'est parti loin tout ça. Mais moi je trouve que si cette personne ne veut pas faire la minute de silence, et qu'il la fait pas. C'est une liberté ça. Si, mais cette personne, il n'est pas pour le terrorisme, c'est juste qu'il ne veut pas s'en mêler dedans. Il est ni pour Charlie, ni pour le terrorisme, il est neutre. Et moi, ça me touche, parce que moi, déjà pour expliquer cela, moi Charlie, je connaissais même pas. Je savais pas c'était quoi Charlie. Et après j'ai fait des recherches et tout, j'ai vu c'était trop pour dessiner et tout. Et moi je trouve que Charlie, ils se sont trop montrés pour faire de la publicité, pour les faire connaître encore plus. Et je sais pas, il y en a si ils ont lu l'anniversaire de la mort des gens qui sont à Charlie, mais ils ont encore plus provoqué. Ils ont dessiné le prophète avec une caricature. Et ça, il cherche. Bon, merci de m'avoir écouté. Dédicace.
France, mais je sais pas exactement, je connais pas Charlie. Je connais pas les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait. De toute façon, pour moi, quand on dit il y a un musulman qui a tué, pour moi un musulman ne tue pas. Non, non. Ça c'est tout juste parce qu'il y a une sourate, ce qu'on appelle Jihadul Nafs. Jihadul Nafs c'est quoi? Tu montres la personne un comportement jusqu'à ce qu'il a envie d'être ce que tu es. C'est pas de venir en disant que non, je vais prendre un arbre en disant voilà, voilà, ou bien sur le nom de Dieu. Ça veut rien dire en fait. Il y a une sourate qui dit Ouya El Kafri. Ça veut dire que malgré je ne crois pas à ce que tu crois, et tu ne crois pas à ce que je crois. À toi ta religion et ma religion. Et on peut habiter dans ce monde et avoir la paix et vivre heureux. Ça veut dire que les gens qui tuent, ce sont tous des assassins. C'est très facile. Souvent aussi, je me dis que souvent, c'est les médias aussi qui donnent l'opportunité des gens à faire ce qu'ils font pour en faire. Parce que si vous vous souvenez, il y avait longtemps, quand j'étais au Sénégal, il y avait quelqu'un qui avait installé une église en Angleterre. Ça fait longtemps. Mais du coup, quand on l'a tué, on n'en parle pas. Son nom, on n'a même pas écrit ça sur une seule journal. Et du coup, tu n'as jamais vu une autre qui vient en disant que tu veux incendier une église ou bien quelque chose comme ça. Mais si un tueur qui tue pour son propre nom, pour qu'on lui dise ah, c'est moi, c'est tel nom, sur le nom d'Allah, c'est facile. C'est très facile pour moi de dire Allah Akbar, je suis musulman, je tue des personnes, à dire sur le nom de... Non, ce sont des gens qui sabotent, ce ne pas des musulmans. Ce sont tous des assassins, tout court. Moi, que ce soit musulman, chrétien ou bouddhiste, chacun doit respecter l'autre. Jihadul Nafs, quand le prophète l'a dit, avant de partir, ça fait longtemps. Et chaque musulman, tu montres le comportement. C'est un comportement. La religion, c'est un comportement. C'est pas en disant que oui, je suis ça. Pour moi, c'est facile. Mais tu dois montrer que je suis ça et je reste serein et avoir une éducation. Parce que si tu ne te respectes pas, tu ne peux pas respecter l'autre. Donc, merci à tous. Okay. Merci. Bonsoir. J'ai bien aimé votre questionnement de fin en disant quelles sont les valeurs qui nous réunissent. Et parce que, effectivement, on parle beaucoup de liberté, fraternité, liberté, etc. Enfin, la devise de la République. C'est très important, bien sûr. C'était un moment fort, puisque c'était l'histoire de la Révolution française. Mais la Révolution française, il y a eu des bons côtés, mais il y a eu aussi des choses pas brillantes. Hein. Je ne re-signerai pas pour qu'on recommence dans les mêmes conditions, personnellement. Hein. Donc, et il y a beaucoup d'autres questions à côté qui ne sont pas vraiment prises en compte, qui sont prises en compte dans les questions d'éducation familiale, dans les questions éventuellement philosophiques ou religieuses, etc. Par exemple, on s'est beaucoup moqué de Nicolas Sarkozy parce qu'il avait dit que l'éducation et la République ne permettaient pas la question du bien et du mal. Moi, je pense qu'on a tort de rigoler de ces choses-là. Je ne suis pas du tout d'accord avec Nicolas Sarkozy. Mais par contre, je pense que la réflexion sur le bien et le mal, c'est pas un détail dans la vie des êtres humains. Et cette question-là n'est pas résolue simplement en disant liberté, égalité, fraternité. C'est des domaines qui vont au-delà. De la même façon, la question de la paix, la question de la justice sont des valeurs, même la question du vrai, sont des valeurs qui demandent beaucoup de discernement. Donc on a encore beaucoup, on n'est pas au bout de l'humanité, on a encore beaucoup de chemin à faire, hein, je pense. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est ce qui a été dit dans notre groupe, qui me paraît important, c'est qu'on a besoin de temps d'écoute les uns les autres. Et le jeune animateur a même parlé de remise en cause. C'est-à-dire qu'en écoutant les autres, on entend des choses qui doivent nous interroger et nous faire nous questionner et voir nous remettre en cause sur des choses que on pense et que sur lesquelles on n'a peut-être pas, on a peut-être à revoir un peu les affaires. Alors,
reste une question qui a été posée dans notre groupe aussi, qui est importante, dont on ne peut pas faire l'impasse, c'est la question de la domination. C'est-à-dire que les plus puissants, les plus riches, les plus cultivés, ils jouent un rôle et ils ont une place qui est au-delà de l'égalité simple. Et donc c'est comment on arrive à effectivement dépasser ces abus de pouvoir, de domination. Et là, c'est des questions qui sont compliquées parce que, bon, bien sûr, on répond, on dit c'est la démocratie, etc. Mais au quotidien, c'est pas si simple que ça. Même dans les familles, même à l'intérieur des familles, c'est des questions qui sont sur lesquelles il nous reste beaucoup à réfléchir. Moi, je voudrais revenir sur la façon dont vous avez commencé tout à l'heure, M. Vogt, quand vous avez abordé la synthèse. Parce que vous avez dit quelque chose qui m'a frappée au sujet de la parole, en disant que tout le monde là prenait la parole et que la parole, c'était dangereux. Et ma question, c'est jusqu'à quand allons-nous utiliser ces mots-là? Parce que pour moi, c'est une manière de prendre des mots qui ne nous concernent pas. La parole, c'est pas dangereux. Pour qui elle est dangereuse, la parole? La parole, elle n'est certainement pas dangereuse pour le peuple. Le peuple, c'est lui qui achète les biens de consommation. C'est le peuple qui fait la loi, en réalité. Et le jour où le peuple devient conscient de ça, s'il se met à dire et à penser que la parole est dangereuse, il se retourne contre lui-même. Et ça, je pense que c'est un danger qui nous guette. La parole n'est pas dangereuse et j'aimerais que tout le monde sache et soit convaincu de ça, parce qu'en plus, dans un pays comme le nôtre, où la connaissance est à portée de main dans toutes les bibliothèques, par Internet, par tous les réseaux qui se créent, la parole, elle circule en permanence. Et qu'on soit ici ce soir en train de la faire résonner, ça prouve bien que tout un chacun est capable de se l'approprier et qu'en se mélangeant, en se reliant et non pas en se confrontant, on peut ramener de l'espoir, on peut ramener du lien, on peut ramener la fraternité et que ce n'est pas un vain mot qu'on ne connaîtrait pas. C'est des mots qui existent et qui sont dans le peuple. Ah, moi, je vais revenir sur le concept de l'ironie, parce que vous avez dit, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que l'ironie, c'était un outil à la liberté d'expression, blablabla. Et pour moi, vraiment, pour moi, c'est une arme de destruction massive. C'est l'outil qui sert à des personnes de rendre la personne qui est en face de soi complètement pas crédible. En fait, c'est une façon humoristique de dénaturer une personne, de le vider de son sens et de, en gros, ouais, de ne pas respecter la personne. Parce que quand on dit que l'ironie a été utilisée pour se moquer des rois, pour se moquer des politiques, pour moi, les politiques, les anciens rois ou comme ça, ils jouent tous un rôle. C'est comme un film, quand on se moque d'une actrice qui joue très mal, ça c'est très drôle, parce qu'on se moque d'un personnage. Et quand on se moque du prophète, quand on se moque des religions, quand on se moque des personnes, des vraies personnes, ben pour moi c'est insultant, c'est pas de l'ironie, c'est de l'insulte. Donc moi le concept de l'ironie, soit j'ai mal compris, ou en tout cas ma définition c'est ça, c'est insulter une personne, c'est ne pas respecter la personne. Moi j'ai compris que, en gros, l'ironie c'était quelque chose de super, et qui est... C'est la bande violente de l'humour. Oui, c'est vrai. J'ai juste dit dans la culture française. Alors j'ai appuyé ce que vous avez dit. Voilà. Si on justifie la caricature de Cabu par le fait qu'il aurait vécu un mal dû à la religion, est-ce qu'on doit alors répondre au mal par le mal et justifier les actes commis contre Charlie? Juste, je dis, quand on condamne comme ça, c'est qu'on parle de blessures. Mais ça ne légitime ni les blessures de Cabu, ni celles de ceux qui ont tué, et qui étaient aussi certainement des très grands blessés. Mais on oublie aussi
on oublie aussi, et c'est bien pire, enfin, en nombre de victimes, c'est bien plus important que les gens qui sont assassinés ou qui sont tombés, c'est tous les gens qui se suicident, et tous les jeunes qui se suicident parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans ce monde. Alors, je tenais d'abord à remercier les organisateurs qui nous ont permis de nous retrouver ce soir et saluer vraiment cette belle initiative. Je suis ravie de pouvoir participer à ce genre de rencontre. J'aimerais tellement que le reste de la société soit à l'image de ce qu'on est aujourd'hui. On est tous différents. Même assis autour d'une table, on avait des opinions différentes. Et mon Dieu, que ce serait bien qu'il en soit ainsi sur tout le territoire. Et je voulais poser une question, je me demande, est-ce que une des solutions pour arriver à peut-être nous-mêmes à ne plus avoir à débattre sur ce genre de choses, à savoir est-ce qu'on peut rire de tout, la liberté a-t-elle des limites ou pas, etc. Est-ce qu'il faudrait, ne faudrait-il pas peut-être accentuer ou axer un travail ou une réflexion sur la réhumanisation des gens, plus que les définir, dès qu'on réhumanise, à mon sens, dès qu'on réhumanise l'être humain, c'est un peu pléonasme, voilà. Quand on réhumanise l'être humain, on laisse de côté tout ce qui peut différer, aussi bien les convictions religieuses que les apparences, que les origines. Une fois qu'on met en avant l'humain en tant qu'humain et qu'on va au-delà de ces différences, je pense qu'on peut arriver à éviter et des attentats et même des on ne se sent plus offusqué par telle ou telle remarque ou caricature. Moi, je voulais prendre la parole, mais j'espère que je ne vais pas vous choquer, mais donner un exemple avant de dire ce que je vais dire, comme ça, ça passera mieux. Par exemple, quand on regarde des livres sur les plantes, on peut se rendre compte que dans une même famille de plantes, il y a des plantes qui sont dans le même panier alors qu'elles ne se ressemblent pas du tout, au final elles ne font pas du tout des fleurs qui se ressemblent, il y en a qui sont comestibles, d'autres pas, etc. Toujours est-il qu'elles sont dans la même famille. Pour ma part, même si je ne questionne pas ce qui s'est passé dans les attentats, je ne me permettrai pas de dire, et j'espère vraiment que je ne vais pas choquer, mais je ne me permettrai pas de dire que des personnes qui ont ce genre de comportement ou qui se font péter la gueule je ne sais pas où, ne sont pas musulmanes, même si je ne partage pas leur vision de la religion. Je ne me permettrai pas de... Si c'est des personnes qui se représentent comme telles, si par exemple demain on vient me voir en me disant j'ai pas la même façon de penser la religion parce que tu manges comme ça, parce que tu t'habilles comme ça, parce que tu... Mais moi je suis plus musulmane que toi, je serais vraiment choquée. Le débat il s'arrête là. Oh mais de toute façon c'est pas des musulmans. Ben non en fait c'est ça le problème, c'est que on peut avoir... Enfin, je sais pas, quand j'écoute les informations, j'ai l'impression que soit on est musulman de France, et personnellement j'ai un peu un problème avec cette appellation et tout ce que ça renferme, soit on est super super extrémiste et super super dangereux, et dans ce cas-là, pour les autres, on n'est pas musulman. Enfin, c'est vraiment, je sais pas. Moi, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais pour ma part, si j'arrive à dormir la nuit, c'est pas en me disant qu'ils sont pas musulmans. En me disant que voilà, ils ont une autre perception des conflits. Je sais pas, je pense que je suis dans la tête. Bonsoir à tous, moi je voudrais vous revenir sur l'intervention de Sophie. Alors j'ai beaucoup aimé Station, sauf que j'ai un petit problème là avec tout ce que tu as dit. C'est que pour nous, tu nous as un peu vendu du rêve. Là ce soir, j'ai jamais eu de problème pour m'exprimer, pour donner mon avis et combattre les idées que je trouvais dégueulasses. Là, seul souci, c'est qu'on se bat contre quelqu'un de plus fort que nous, qui s'appelle l'état d'urgence, et on n'a plus droit à rien en ce moment en France, quoi. Manifester, distribuer des tracts, on se fait tabasser partout dans les manifs. La liberté d'expression, elle est super confisquée. Il y a des lois liberticides qui sont pondues tous les jours, contre lesquelles on ne peut rien faire.
Moi, je suis là ce soir pour essayer de trouver des armes aussi, pour combattre tout ça et pour dire non, moi j'ai mis mon bulletin, ok, mais vous faites pas ce que vous voulez, ma liberté, j'y tiens et je veux qu'on la défende. Et donc j'aimerais avoir votre savoir, ce que vous pensez de cette loi. Et c'est vrai que maintenant, nous, on nous demande carrément pourquoi vous portez le voile. Pour moi, j'ai l'impression que l'islam, c'est un danger pour la République. Et elle s'est perçue comme ça, alors que pas du tout, la République, elle se construit avec l'islam, justement. Et c'est, voilà, donc pour moi, la rencontre de deux concepts, c'est constructeur, c'est pas destructeur. Donc de quoi a-t-on peur ? Elle est passée comme ça, la loi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu beaucoup de problèmes, hein, aussi. Voilà. Je me souviens... Régis Debray, qui a beaucoup travaillé en France sur la place du religieux dans la scolarité et l'éducation. Je crois poser une question du style, et ça m'a fait plaisir de la lui entendre poser, parce que lui, il est connu, moi, il disait, avec cette question, qu'est-ce qu'on cherche à voiler nous-mêmes ? Parce qu'au fond, un des grands arguments, que ce soit du côté de mouvements féministes, comme du côté d'autres des hommes, il y a l'idée que le voile vous est imposé par vos maris. Donc que vous n'êtes pas libre. Et comme... C'est des femmes non voilées, hein, quand vous dites ça. Voilà, aussi, ben oui, parce que pour elles, ça a été une lutte d'émancipation, etc., ce qui n'est pas faux. Il y a aussi une émancipation de la femme qui est très importante. Et souvent, je réponds à des personnes qui me disent ça, je réponds, mais regardez, quand on parle de la différence de rémunération à travers égal entre un homme et une femme, là, ça nous pose un petit problème, mais on ne dit pas que c'est pas normal. Hein ? C'est-à-dire que les différences, si vous voulez, on a focalisé en France autour du voile comme étant le symbole d'une religion particulière, etc. Et je rappelle aussi que les femmes corses, dès qu'elles étaient veuves, elles étaient toutes voilées. Voilà. On a aussi des sœurs dans nos... Bon, elles disent qu'elles ont épousé le Christ, donc ça dérange personne. Mais je veux dire, le voile fait partie de toute notre histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ça ? Moi, mon hypothèse, c'est parce que il y a quelque chose comme une peur d'être contaminé. Comment ? Par le virus. Ben, d'être contaminé, parce que quand on a peur de la différence, c'est qu'en fait, on n'est pas clair sur soi-même. On n'est pas sûr de ses valeurs. Mais oui, on n'est pas sûr de ses valeurs. Voilà. Et je vois ça comme ça, une peur de la contamination. Si jamais je discute avec une femme musulmane, peut-être que même sans m'en rendre compte, elle va me manipuler, tout ça. Mais j'ai retrouvé ça dans les milieux militants, quand moi j'allais discuter avec les gendarmes, et que les autres me disaient, mais tu te rends pas compte, ils sont en train de te tirer les vers du nez, tu t'en rends même pas compte, tu vas te faire avoir, etc. Voilà, c'est que de la peur. C'est de la peur. Et ces mouvements de peur, ben, ils s'exacerbent en période de crise. En période de crise des valeurs, en période de crise économique, en période d'insécurité, etc. Et donc, il faut trouver un exutoire à ses peurs, il faut trouver un nom à ses peurs, et là, ben, il s'est trouvé que voilà, l'histoire du voile, ça servait à ça. Moi, j'ai un cousin germain, deux cousins germains, ils se sont convertis à l'islam. Eh bien, je sais sur quoi on n'est pas d'accord, donc on ne va pas essayer de se convaincre l'un et l'autre, t'as raison, t'as tort, etc. On sait sur quoi on n'est pas d'accord, et on peut parler de plein d'autres choses. Et j'ai aucune crainte qu'ils se mettent dans ma conscience et qu'ils manipulent ni rien. Oui. Mais parce que j'ai des convictions et j'ai pas peur des convictions des autres. Voilà. Et à partir du moment où on peut se respecter, ben, y a plein d'autres belles choses à faire. Alors il y a beaucoup de méconnaissance aussi. Voilà. C'est-à-dire que comme dans l'instruction en France à l'école, il y a une méconnaissance effroyable sur le fait religieux. Que ce soit
les catholiques, les protestants, les juifs et les musulmans, mais aussi bien quand je vois ce qu'on racontait à mes filles, et moi j'ai oublié ma propre scolarité, mais ce qu'on racontait à mes enfants sur la religion égyptienne, sur la religion juive avec Moïse, ou sur les Grecs et tout ça. Mais c'est une bêtise incommensurable. Donc il n'y a pas d'éducation là-dessus, vous voyez, en France. Parce que l'on a voulu laminer tout ça. Et comme il n'y a pas d'éducation, eh bien tout ce qui pointe le nez en termes de religion est dangereux. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Moi, je suis un peu... Comment dire ? Je suis un peu sur ma faim parce que je suis venu pour... comment dirais-je ? C'est comme si on nous a imposé un thème par les trois questions, et deux questions qui sont posées. Et je me rends compte que c'est l'actualité, ce que nous vivons, qui s'impose à nous. Donc c'est ce que nous vivons qui s'impose à nous. Tout à l'heure, madame parle d'humanité. Quand vous avez parlé d'humanité, moi je me demande s'il ne faudrait pas qu'on retourne à notre animalité et aller à la même école pour ne pas subir les dommages collatéraux des uns et des autres. Et la discussion de ce soir, encore une fois, les sujets les plus importants, il va falloir qu'on les aborde de front. C'est comme ça qu'on va se dire, qu'on va se parler, qu'on va se dire des choses. L'exemple, par exemple, tiens, si tu me tends une perche, beaucoup de Français ne savent pas qu'il y a un demi-siècle, la France était considérée comme une puissance musulmane. Hein ? C'est une vérité. Parce qu'elle dominait une bonne partie du monde musulman. Et cette partie, on connaît pas notre propre histoire. On ne connaît pas notre propre histoire. Et donc, il va falloir qu'on apprend qu'est-ce que c'est l'histoire, pourquoi nous sommes là, nous. Et pourquoi nous vivons ce que nous vivons aujourd'hui. Peut-être qu'on aura une bonne partie des réponses à nos questions, à nos interrogations. Merci. Alors, dans un premier temps, je voulais réagir à ce que la jeune fille disait. Je suis tout à fait d'accord avec ton discours. Effectivement, on ne peut pas retirer, on n'a pas le droit, enfin, je ne me donne pas le droit, en tout cas, je suis bien d'accord avec toi, de dire à une personne, tu n'es pas ça parce que tu as eu tel comportement ou telle attitude. Et d'ailleurs, c'est un peu l'injonction qui nous est faite. Si tu es ça, je te retire ta nationalité française, tu vois, tu n'es pas vraiment... Des fois, je fais même le lien, je fais le bon jusque-là. Donc voilà, effectivement, ce sont des mouvements, ils n'ont pas forcément la même lecture et la même compréhension du texte que toi ou d'autres personnes, mais n'empêche que bon, voilà, ça leur jugement, leur comportement leur appartient et c'est à eux seuls de répondre de ce comportement-là et de leur attitude. Et ensuite, je voulais répondre à la dame qui avait parlé de la liberté de parole, que tout le monde peut prendre la parole, etc. Oui, dans l'absolu, de façon... terre à terre, là je prends la parole et je peux dire, mais la parole est une arme puissante, destructrice, dangereuse. Et bien il y a des gens, quand ils ont la parole, ils maîtrisent tellement la parole. Moi j'appartiens à une culture où la tradition, où la politique, tout se met, enfin j'appartiens à une culture, ce qu'on appelle une culture orale. Et nos hommes politiques, malheureusement, maîtrisent cette arme, ils s'entraînent à ça. Et personnellement, quand je vote, la démocratie est biaisée, parce que c'est une démocratie, c'est une délégation. Je délègue mon pouvoir pour que tu décides. Et c'est biaisé parce qu'elle ne part pas du bas. Et du coup, on vient, on te dit, bon ben moi, je te propose ça, 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 ça. On prend l'exemple petit du président qui avait fait un certain nombre, une feuille de route. Il n'a pas suivi sa feuille de route. Le seul arme que j'ai pour contester, c'est d'aller dans la rue. Parce que même mon député qui me représente, qui vote les lois, j'ai du mal à y avoir accès pour lui dire ne vote pas cette loi-là parce que je ne suis pas d'accord. Voilà. On n'a pas, une fois que nos élus sont en place, on n'a pas de moyens d'interpellation pour contester ce qu'ils font à part descendre dans la rue et en nombre. Et la mobilisation est parfois très difficile. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. La
langue française, elle a beaucoup de mots. Elle joue beaucoup. Quand quelqu'un s'exprime, on lui dit « Ouais, mais tu t'exprimes comme ça parce que tu es comme ça. Tu t'exprimes comme ça parce que tu es comme ça. » Il y a des gens qui ne veulent plus s'exprimer parce qu'on les a jugés. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrête et qu'on remette à plat, parce qu'aujourd'hui, la France, elle part en cacahuète, hein, c'était pour ne pas dire un gros mot à un Marseillais. Si on n'arrive pas à se dire stop, aujourd'hui on m'a touché. Aujourd'hui on a touché, à une époque on a touché les femmes voilées. Mais il y a une hypocrisie, parce que les femmes voilées n'ont pas le droit d'accompagner leurs enfants à l'école, mais elles peuvent faire des gâteaux pour la kermesse. Les femmes voilées ne travaillent pas dans certains endroits, mais elles peuvent nettoyer les toilettes. Donc à un moment, moi si je ne m'oppose pas sur ça, que la femme voilée n'a pas le droit de travailler, mais qu'elle a le droit d'aller nettoyer ce que je fais moi dans les toilettes, à un moment c'est qu'il y a une hypocrisie. Ce que j'accepte, et le fait d'accepter, un jour ça va se retourner contre moi. Et là je ne retrouverai personne. Donc à un moment ce voile d'hypocrisie et de... Comment on pourrait dire ça, parce que la langue française elle est riche, de se dire moi c'est pas mon problème, c'est son problème. C'est peut-être réveiller les consciences et se dire aujourd'hui ils ont été touchés, demain je vais être touchée. Le voisin il a été touché, demain je vais être touchée. Donc il y a un moment où il faut qu'on arrive à se communier, à être un peuple. Pas simplement quand il y a eu les attentats, on me demande d'aller manifester. Ou on me demande à moi de me justifier. J'ai pas à me justifier, j'ai pas envie d'aller manifester. Parce que moi, dans mon quartier, il y a des gamins qui sont, qui sont dans l'urgence, qui sont dans la misère, qui sont dans l'inégalité, et personne ne vient manifester. Moi, on me traite de communautarisme. Moi, ça fait 30 ans que j'habite dans le même quartier. J'ai pas quitté mon quartier. Voilà, il y a des choses qui font que... il faut qu'on arrive à trouver un point commun qui nous rassemble. Parce que souvent on trouve ce qui nous divise, mais on ne trouve jamais ce qui nous rassemble. Et quand on trouve quelque chose qui nous rassemble, c'est un petit groupe. Voilà. Donc pour vous expliquer vite fait mon expérience, il faut quand même que je fasse un petit peu d'histoire. C'est que moi j'ai grandi à Fontaine et... Voilà, en grandissant, on a monté une petite association au départ qui était de danseurs. Et la mairie adorait nous inviter sur la semaine de la discrimination, sur la semaine du racisme, pour qu'on fasse un petit spectacle de danse. Donc c'était bien, c'était la petite association de petits jeunes qui font des spectacles de danse. Et puis au bout d'un moment, ben, on a grandi, on avait d'autres occupations, donc on n'a pas pu s'occuper que de la danse, etc. Et il y a un moment où on suivait un artiste qui s'appelait Dieudonné. Donc depuis tout le temps, moi je le suis depuis les années 90. Et puis on a vu une polémique qui a eu lieu en 2003, et puis on l'a suivi, etc. Et puis on s'est dit, bah, ça serait quand même bien de faire une journée sur la liberté d'expression, peut-on rire de tout, une liberté, voilà, une journée sur la liberté d'expression et contre la censure. Donc on est allé voir la mairie, on leur a dit, voilà, on va faire une journée pour la liberté d'expression, contre la censure. Et bien super et tout, en plus c'est une bonne idée, donc c'est génial, etc. Et donc alors comment vous comptez le faire? Voilà, on compte faire ça, et on compte inviter, on verra peut-être Christophe Alévèque, ou Éric Zemmour, ou Dieudonné. Dieudonné? Ah non mais tout sauf Dieudonné. Ah non mais c'est pas... Ben, justement, ça sert à ça, une journée pour la liberté d'expression contre la censure, c'est de discuter avec les personnes avec qui on n'est pas d'accord. Et donc ils ne le voyaient pas de ce point de vue, donc ils nous ont dit non, vous n'allez pas faire cette journée. Et nous on leur a dit si, on va faire cette journée. Non, vous n'allez pas faire cette journée, donc si, vous allez faire cette journée. Puis à la fin ils ont dit bon, il faut que vous veniez à la mairie, c'est important, on va faire une réunion. Donc on est allé à la mairie, et puis autour de moi il y avait tous les élus de la commune qui nous disaient ah, mais non, c'est pas possible, nous on est communistes, nous ce genre d'individus, on leur jette des cailloux, on n'est pas d'accord. Je dis non, mais il faut discuter avec les gens. Lesquels on n'est pas d'accord. Vous adorez discuter entre vous, si vous êtes tous d'accord. Là, il faut discuter avec d'autres personnes si vous voulez que ça avance. Et d'ailleurs, il y a une corrélation un petit peu avec le débat d'idées, et c'est plutôt la raison qui l'emporte et non la censure. Donc, on a quand même fait cette journée, c'était contre nous. Et puis, donc, on a fait venir Dieudonné, mais l'idée à la base, c'était quand même plutôt de créer un débat entre l'artiste, l'humoriste, et puis les élus.
Et sauf que là, ils étaient confrontés à un problème, c'est que eux-mêmes l'ont avoué, c'est que en fait, ils n'avaient personne à mettre en face. Parce qu'ils se sont dit, non, mais quand même, Dieudonné, c'est un orateur et tout. Bon, moi, je ne veux pas discuter avec lui, parce que forcément, ils n'avaient peut-être pas des choses à lui dire, ou en tout cas, aucun argument à lui apporter. Donc nous, on l'a fait venir et on a été confrontés à un problème. C'est que nous, le ligne de conduite, c'était la justice. Donc qui fixe les limites de la liberté d'expression? En fait, au final, on s'est rendu compte que c'était la justice. Ils sont allés loin, parce que le jour même, ils nous ont mis un arrêté municipal pour pas que l'humoriste fasse son spectacle le soir. Et on est allé au tribunal, donc on a gagné, la mairie a perdu, et on a fait notre journée, et c'était vraiment... C'était difficile pour nous parce qu'au départ, on voulait faire une journée pour la liberté d'expression contre la censure et on s'est transformé en fait comme des avocats de données. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les rencontrait, mais pourquoi vous les faites venir? Mais non, mais attendez, nous, nos investigations nous ont prouvé que l'année dernière, il a fait une tournée en bus. Mais vous vous rendez compte, dans toute la France, une tournée en bus, c'est inadmissible pour un artiste. Pour ça, on se dit qu'en France, il y a la liberté d'expression. Oui, mais lui, il n'est pas comme les autres. Mais quel autre? Non, mais c'est pas possible, on ne peut pas discuter avec lui, ça sert à rien, de toute façon, c'est son fonds de commerce, etc. Ah ouais, d'accord, mais il faut aller le rencontrer, discuter avec lui pour voir ses idées, et pour entendre ses idées, et puis surtout pour les démonter, quoi. Et d'ailleurs, au final, après, je me rends compte que j'en veux même pas aux électeurs qui votent Front National, mais plutôt à ceux qui l'ont rendu possible ces 30 dernières années. Et en fait, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'à force de trop vouloir censurer Dieudonné, ils lui ont même fait la promotion de son spectacle. Et aujourd'hui, c'est l'un des seuls artistes qui remplit tous les zéniths. Et en 2011, lorsqu'on s'est posé cette question, c'était aussi pour rencontrer son public, lui poser des questions. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes là? Et qu'est-ce que vous trouvez d'antisémite ou de raciste dans son spectacle? Donc déjà, on s'est rendu compte qu'il y avait des femmes, des hommes, des enfants de toutes les couleurs. Et que... voilà, il n'y avait pas forcément ce qu'on entendait à travers les médias. Et au final, on s'est dit qu'on était quand même précurseur, parce que c'était en 2011, et en 2014, c'était l'affaire d'État. C'était une affaire d'État. Vous vous souvenez, en janvier 2014, lorsqu'il fallait couper la tête de Dieudonné, et puis on en finissait avec le chômage, avec la criminalité, et tout ce qui s'ensuit. Mais au final, malheureusement, le gouvernement qui était en place à l'époque et qui a traité ce sujet-là, je trouvais qu'il l'a maltraité, tout simplement parce qu'il a fait remplir les salles de spectacle, connaître même Dieudonné à des personnes qui ne le connaissaient même pas. Et pour moi, en 2011, c'était la personne qui incarnait le plus en fait, la censure et la liberté. Et en discutant avec lui, effectivement, on s'est quand même aperçu qu'on n'était pas d'accord sur tous les sujets, et que ce Dieudonné-là qu'on a aujourd'hui, c'est entre guillemets eux qui l'ont fabriqué. Mais donc voilà, c'était simplement une petite expérience qu'on avait. L'avantage aussi qu'on avait, c'est que, en fait, on n'a jamais demandé 1 euro de subvention à la mairie. Donc c'est ce qui nous a permis justement d'aller jusque-là. Et puis surtout, c'est qu'on connaissait, entre guillemets, on a des amis, on a grandi à Fontaine, et puis il y avait des personnes qui sont devenues, par la force des choses, avocats et juges, et notre ligne de conduite, c'était la justice. Et effectivement, qui fixe aujourd'hui les limites de la liberté d'expression, c'est la justice. Et pour en revenir à Dieudonné et Charlie Hebdo, c'est exactement ce qui s'est passé à travers cette violence, à vouloir se venger... pour je ne sais quoi, et avoir tué des personnes qui, pour moi, sont quand même, qui ne méritaient pas la mort et qui sont innocents, ou en tout cas, on aurait pu prendre les outils de la République pour se défendre. C'est ce qui a été fait par la mosquée de Paris, je crois. À force de vouloir tuer Charlie, en fait, ils l'ont rendu immortel à travers ses actes. Donc voilà, c'était simplement une petite expérience que je voulais partager avec vous. Moi, c'était pour réagir à ce que vous avez dit sur la contamination. Ils avaient peur de la contamination vis-à-vis du voile. Et comment ils n'ont pas eu peur de la contamination vis-à-vis des homosexuels? Puisqu'on vit quand même ensemble, on accepte tout. Et je comprends, je trouve pas où est le mal de mettre un voile par rapport à ce qu'on change dans la nature des choses.
quand même, on a accepté, on vit avec ça, et on voudrait un vivre ensemble, pour tout le monde, que ce soit témoin de Jéhovah, ou juif, ou musulman, et tout. Voilà le problème où on vit maintenant. Si on respectait l'autre pour ce qu'il est, et on est un vivre ensemble, voilà. Il y a beaucoup de peur aussi. Mais oui, on est dans une situation de crise et tout peut faire peur. Oui, bien sûr, tout peut faire peur. Mais vous avez la même chose autour des vaccinations, autour de l'économie aujourd'hui, etc. Les intégristes ne sont pas seulement des religieux. On arrive au terme de la soirée. Cindy, voulez nous présenter l'Université Populaire qu'on est en train de créer sur la Villeneuve. Tiens. Bonsoir. Je ne vais pas vraiment vous présenter en détail, mais juste vous expliquer qu'on est dans une démarche actuellement sur le quartier de création de ce qu'on appelle actuellement une université populaire. Donc on l'appelle en préfiguration. C'est un peu une idée qui est née il y a 2 ans et qui se concrétise petit à petit. Et notamment le cycle dans lequel s'insère la soirée de ce soir a été un cycle qui s'appelle Pour comprendre. Jouda l'a dit au départ, qui est né dans le contexte de janvier 2015. Notamment l'idée de l'université populaire, un peu en général, et ça rejoint ce que disait notre collègue de Marseille, c'est d'arriver notamment à recréer du commun, à recréer du nous, sur des réflexions, sur des actions, et de refaire commun tous ensemble réfléchir sur ces 4 séances qui ont eu lieu cette année 2015, début 2016. Est-ce qu'il y a des choses forcément à améliorer, il y a des choses à repenser ensemble, il y a des sujets notamment qui sortent un peu ce soir, j'ai l'impression, sur des questions plus liées ou peut-être à des faits religieux, à des questions, enfin, toutes les genres de questions qui vous semblent importantes qu'on puisse continuer à traiter dans ce genre d'espace et de prendre vos idées. Certaines personnes, par exemple, peut-être ont trouvé difficile qu'on ait cadré comme ça de questions, mais c'est des choses qu'on teste et c'est avec vous qu'on pourra trouver comment on poursuit de la meilleure manière possible pour avancer ensemble sur tout ça. I'm gonna go to the hospital.